Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre, à la une du jour, fin de conflit. La guerre entre MINSEP et FECAFOOT se termine, mais à quel prix pour le football camerounais ? Le conflit entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP, et la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a pris une Les raisons invoquées par Cyril Tolo, conseiller technique du MINSEP, pour expliquer ce manquement sont assez intrigantes. Selon lui, les embouteillages massifs, notamment des bouchons de 3 heures, ont empêché l'équipe de rejoindre le site d'entraînement. Ce détail semble quelque peu ironique. Le manque d'entraînement des Lions Indomptables a non seulement été un obstacle pour leur préparation, mais a également affecté leur morale et leur confiance. Les joueurs, confrontés à une situation
football, FECAFOOT, a révélé les tensions sous-jacentes qui déchirent le monde du sport au Cameroun. Ce différend, centré sur la gestion des équipes nationales et des entraînements, a mis en lumière des discordes internes qui pourraient avoir des répercussions durables sur l'avenir du football camerounais. La récente rencontre entre le professeur Nkaohu Mvondo et Cyril Tolo, ainsi que les explications fournies par ce dernier concernant le fiasco de l'entraînement des Lions Indomptables à Kampala, montrent que les parties prenantes du ministère des Sports reconnaissent la légitimité de la FECAFOOT dans ce conflit. Cette reconnaissance, bien que tardive, est une victoire symbolique pour la FECAFOOT et pourrait marquer le début d'une résolution pacifique de la crise. Cependant, la situation met en évidence un manque de coordination et de communication entre les institutions sportives et gouvernementales, ce qui a eu un impact direct sur la performance et la préparation des équipes nationales. Les critiques adressées au ministère des Sports pour son implication dans des aspects qu'il ne maîtrise pas complètement soulignent les défis auxquels sont confrontées les organisations sportives lorsqu'elles sont prises dans des querelles bureaucratiques. L'impact de ces tensions sur les joueurs et leur préparation est indéniable. Le fait que les Lions Indomptables aient dû faire face à des obstacles imprévus à cause des embouteillages, combiné aux accusations d'amateurisme, montre à quel point la gestion des équipes nationales est cruciale. Le manque d'entraînement adéquat a non seulement perturbé la préparation des joueurs mais a également affecté la morale de l'équipe. Il est crucial pour toutes les parties impliquées de trouver un terrain d'entente et de travailler ensemble pour éviter que de tels conflits ne se reproduisent à l'avenir. Une coopération harmonieuse entre le ministère des Sports et la FECAFOOT est essentielle pour assurer la stabilité et le succès du football camerounais sur la scène internationale. Les spectateurs et les supporters du football camerounais doivent rester attentifs aux évolutions de cette situation, car elle pourrait avoir des implications importantes pour la gestion future des équipes nationales. La résolution de ce conflit et l'amélioration des relations entre les différentes parties prenantes seront déterminantes pour le développement et le succès continu du football au Cameroun. Pour rester informé des dernières nouvelles et des développements importants dans le monde du football camerounais, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des analyses approfondies et des mises à jour régulières sur les sujets les plus pertinents. Ne manquez pas nos prochaines publications pour être toujours au courant des actualités majeures qui façonnent le sport au Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.